Merci beaucoup. Vos retours pour le premier best-of ont été absolument dingues. Un très grand merci à toutes et tous. Du coup, salut tout le monde, c'est Atto. Bienvenue dans un deuxième best-of qui, je l'espère, vous plaira tout autant. Attention, c'est parti. Ah, c'est là. Alors attention. On maintient la vitesse. Ok. Ok. Et là, regardez, c'est incroyable. On se pose. Je me cale en face du petit trou des fesses de la station et on y va. Qu'est-ce que je suis con. Mais j'en ai marre. Mais j'en ai marre. Mais pourquoi les VOD d'Outer Wild, ça démarre toujours comme ça? J'ai oublié la combi. Le jeu interminable. Franchement, il est long. Il est vraiment long. Tu en as pour ton argent. Si t'aimes les jeux de merde. Et là. C'est le drame. Ah ouais. J'attendais pas à ce point là. Les frissons, ça y est. On va avoir la voix de Jean-Pierre. Oh mais ce générique incroyable. Waouh. Oh c'est bien fait. Oh franchement, là avec l'émulation et tout, c'est parfait. La PS2 Pro. Bonsoir. Jean-Pierre, elle lui a fait gagner 50 ans. Le principe est simple. 1 million d'euros. Virtuel, bien entendu. Oh, le lip-sync et tout, il est parfait. Donc, je le dis, c'est comme Dark Souls, là, sur le chat, vous déconnez pas. Il n'y a pas de backseat, d'accord. Vous noyez les bonnes réponses sous les mauvaises réponses, s'il vous plaît. Parfait. Je commence une partie, je suis prêt. Laissez-moi le temps de m'habituer au gameplay, s'il vous plaît. À chaque fois, je regarde le chat, il y a au moins une personne qui dit « Putain, c'est pas ouf, hein. Putain, c'est pas beau, hein. Oh là, franchement, je trouve ça pas dingue. » Et là, dans ma tête, je suis « Mais laissez-moi kiffer !» Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais putnaise. Mais c'est pas possible. Mais quelle poisse. Mais quelle poisse. Mais j'en reviens pas. Ah. J'ai perdu le pilote automatique, c'est pas grave. J'ai perdu les phares aussi, c'est pas grave. Putain mais c'est Topper Harley quoi, mais c'est incroyable. Attention, onduloscope, oui, non. Oui. Tu vas un peu vite, tu vas un peu vite. Calme-toi, 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 calme-toi. Calme-toi, mais pas ça, non. Mais... On peut me remettre l'action au ralenti et me dire à quel moment j'ai touché l'épée. Si t'aimes les jeux de merde. Alors, je vais être chaud sur le coup. Je vais être très très chaud. Ah mais quelle horreur. Mais qui c'est qui a fait cette merde là? Terminer le niveau de ces morts d'Atomium. Tu connais? Tu l'as déjà vu Atomium? C'est un monsieur, il est très rigolo. Et il fait des niveaux sur Mario parce qu'il déteste sa communauté. Eh oui, alors voilà, tout le monde l'attendait sur le chat, je savais, mais j'en étais sûr. Je sentais une espèce de mauvaise aura autour de moi, là, en mode genre, allez, crève, crève, crève. Pas deux fois, par contre, pas le fou. Là, on est d'accord que... Oui, on s'en fout. Magnifique. Aïe, 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 aïe. On n'a rien vu. Mais c'est pas possible! Encore un DLC. Ou peut-être deux ou trois, je ne sais plus. Et encore un jeu. Après promis, on n'en parle plus. De Dark Souls. J'y arrive plus sur le. Oh, oh là là! Oh mais c'était mort incroyable. C'était mort incroyable. La personne qui surveille le vieillissement des vins après la récolte est un conservateur, surveillant, tuteur, éleveur. Le vin, mais surveille le vieillissement. C'est-à-dire qu'en fait... Ah oui mais attends, il surveille le vieillissement des vins après la récolte. Ça veut dire qu'en fait, tu regardes comment ça vieillit. Un éleveur ça me semble un peu logique. Réfléchissez bien. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous perdez 52 000 euros. Camille Jizuku, là, quand tu sens ton truc et que t'es en train de rester sans la prairie, machin, etc. Le village de mon enfance avec une fontaine. Ah. Pour moi, le conservateur, il conserve des bouteilles. Mais il s'occupe pas du vin. Alors que le vieillissement du vin... Réfléchissez bien. C'est un éleveur. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous perdez 5... Si je perds et que c'est eux que je fais jouer après, c'est le... Vous étiez à la tête de 100 000 euros.
Vous venez de risquer 52 000 euros sur cette réponse et vos gains s'élèvent maintenant à 150 000 euros. Oh putain. Mais c'est incroyable. Mais c'est venu de tellement loin. Justement, je me disais, ça manquait l'ennemi. Ah, allez, tombe. Non. Reste loin de moi. Fais pas ça. Tombe. Mais quel jeu. Non. Laisse-moi tranquille. Non. J'en ai marre. Je veux plus jouer. Je t'aurai. Est-ce que tu savais qu'avant d'être des oiseaux, nous étions des reptiles? Est-ce que tu savais? Oh putain! Oh le pauvre! Oh mais quel monstre! Mais c'est horrible! Question. Un navigateur qui évalue sa position en tenant compte de la dérive navigue à la traîne, lol. À l'envie, à l'estime, à l'approche. Ah putain. Alors attends, déjà à l'estime ça sonne trop bien, c'est joli quoi, t'as envie de dire non mais je navigue à l'estime. À l'envie ça semble bizarre, mais l'envie sans E. Ah attends, réfléchis, c'est quoi la dérive déjà? On définit les choses. Un navigateur, bon on imagine en bateau, évidemment. Tu navigues. Tu tiens compte de la dérive. La dérive, c'est toi. C'est comment... Ah non, attends. La dérive, c'est que, en fait, imaginons ton bateau, il avance. Et du coup, tu vois... Ça doit être ça. C'est que tu vois, finalement, la traîne, finalement, de ton bateau. Comment est-ce que ça s'arc? Et du coup, là, tu sais, pour te remettre droit. J'imagine que c'est ça. Non, en vrai, mon cœur me dit l'estime. Ma logique, béaba, me dit la traîne. Et ma méfiance me dit l'envie. Terrible. Ah, l'estime, c'est trop beau. Je suis désolé, c'est trop beau. Tant pis. Pour la beauté du français. Je vous rappelle que dès que nous avons enregistré votre réponse, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous êtes sûr de votre choix? Faut pas hésiter, connard. Ça sonne trop beau, je suis désolé. Ça sonne... C'est joli. Je vous Pourquoi rappelle t'as dit ça? Que vous possédez que actuellement 150 000 euros. Si vous m'avez donné une mauvaise réponse, vous perdez 102 000 euros. Mais ce n'est pas le cas. Et vous remportez 300 000 euros. Allez. Oh putain. Victoire. Enfin! Putain! Vous avez pas idée. En vrai, là, j'ai presque la larme qui monte. Aïe. C'est fait! Bon, alors, vous l'aurez compris, Dark Souls 2, c'était éprouvant. Mais par contre, c'était vraiment chouette. Et c'est vrai que là, je suis dans une impatience assez folle à l'idée de faire le 3. Bien sûr, ce ne sera pas tout de suite. Je vous préviendrai quand on démarrera ça. Merci à vous d'avoir suivi toute cette aventure, merci à vous d'avoir suivi toutes ces sessions qu'on a pu faire en live, merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne également. Vos retours encore une fois dans les commentaires sont importants pour améliorer la formule, et là-dessus, je vous laisse, passez tous une très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt. Bye, à la prochaine. Mais alors du coup, il y a une question, c'est que là, je me retape pas les... Ah si, voilà, je peux commencer un périple 2 si j'ai envie, mais plutôt crever. C'est hors de question. Plus jamais, tu m'entends ?